Ça, c'est le rêve de tous les hommes, d'avoir une copine qui change en 2 secondes. Wow. Bon, alors, j'ai déjà vu ce genre de numéro, mais il y a une fraîcheur. Alors, peut-être hésitante au début, je ne sais pas pourquoi. Puis tout d'un coup, ça s'accélère. Le petit changement, là, la petite robe collée dans les partitions. Wow. On n'a rien vu. Ouais. Mais il y a des choses qui sont vraiment magiques. Merci. Ouais. Même chose pour moi. On a eu beaucoup de magiciens sur le plateau où le temps était long, les changements étaient longs. Là, c'était un numéro qui était rapide. Il y a des choses qui allaient tellement rapidement que vraiment, le temps a passé très, très vite. Et j'ai été bluffé. Merci beaucoup. Qui a fait vos costumes? C'est moi. Oh, c'est toi qui as fait tes costumes. OK, wow. Bravo, wow. Un super rythme, un petit physique de poupée. Donc, c'est un numéro qui vous va bien, en fait. Hein. C'était Barbie, quoi. On changeait Barbie toutes les 10 secondes. Mmh. Beaucoup de charme, beaucoup de dextérité, mais on va laisser la parole aux connaisseurs. Ah, bravo à vous, en tout cas. Bon, alors, c'est une discipline que tu as vue, a été pratiquée par de très grands artistes. Arturo, évidemment. Ça, c'est Victoria Petrosian. Et puis, beaucoup d'autres qui ont parfois battu des records du monde. Mais je trouve que ce que tu amènes par rapport aux autres quick change, c'est les changes à vue. Tes changes à vue sont vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que normalement, ils sont beaucoup plus recouverts. C'est-à-dire qu'il y a soit un tissu, soit une tombée de confettis, soit un parapluie qui passe devant. Et donc, tes méthodes et le travail que tu as fait de couture, il est vraiment de très haut niveau et très moderne. Merci beaucoup. Mais l'exemple de la robe tutu blanche, où elle, juste ça, elle c'est change magnifique. Elle lance les paillettes, c'est un changement à vue que je ne pouvais pas imaginer. Non, vraiment magnifique. Je trouve la fin avec Karine, c'est une super bonne idée. Vraiment très bonne idée. Tu as une très belle présence scénique et je trouve vraiment que tu es en train de passer une étape par rapport à tout ce qui existait avant. Donc ça, c'est énorme parce que ça veut dire une culture et un travail énormissime. Donc ça, merci beaucoup. Félicitations. Merci. Grande félicitations. Et pour moi, il n'y a plus qu'une seule chose sur laquelle tu dois travailler, mais ça c'est mon goût, c'est très personnel, qu'on sorte un petit peu du classicisme de la magie, c'est-à-dire la personne qui performe et qui dit « Regardez ce que je sais faire, c'est fort ce que je sais faire ». Je trouve que là, aujourd'hui, ça manquait d'une histoire qui pourtant je t'ai vu faire parfois. Ça manque d'une émotion autre que juste le spectaculaire. D'accord. Tu vois, on a besoin de cette modernité-là dans la magie. D'accord. Écoute, en tout cas, t'as compris, on t'a kiffé. On vote ? Oui ! Oui ! Sur le 4, oui ! Merci. Bravo. Merci beaucoup. Ah, je suis trop contente. Tellement contente. Soulagée aussi, j'étais très stressée. Je suis trop contente. J'ai pas de mots, là. Au revoir et à bientôt.